Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Tabassage des cheminots par la police politique sassouiste pour une grève dont le droit est pourtant consigné dans la Constitution promulguée le 6 novembre 2015 par le CIR Sassou lui-même en son article 32. À l'exception des magistrats et des agents de la force publique, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Sassou ne respecte jamais ce qu'il promulgue. Décidément, ce type est un danger permanent pour les Congolais. Tiens, j'ai ouï dire que le jeune King Obama-Itu était mieux formé et plus républicain que le vieux croulant Jean-François Ndengue. Aïe, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comment vous faire comprendre que les Obami, père et fils, Jean-François Ndengue, Florent Thiba, Pierre Oba, Jean-Dominique Okemba, Okoy Kali Okoy, Tutti Conti, ne sont que des monstres au service du dictateur cynique de la Lima. On ne le dira jamais assez, l'épine de la démocratie en République du Congo, c'est ce Sassou Denis Mathurin. Peuple congolais, jeunesse du Congo, debout, prenez vos responsabilités. Débarrassez-vous de ce type et vous verrez que tout au Congo marchera comme sur des roulettes. Le pays sera un endroit où il fera bon vivre. Tant que leur Sassou sera là, Kakudila. Bon dia les beaux, Manichi. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.